Le 15 janvier 2004, en début de matinée, Corinne Boutelot se rend avec son mari, Éric Boulon, place du marché, à Saint-Jean-d'Angély. Le couple doit y faire quelques courses et prendre rendez-vous avec le médecin de famille. Éric Boulon s'arrête devant un distributeur de billets pour y retirer de l'argent. Corinne Boutelot se dirige vers la boulangerie, à quelques dizaines de mètres. Quand elle revient devant la banque, son mari a disparu. Il n'est plus ni devant le distributeur, ni aux alentours immédiats. Corinne Boutelot entreprend alors toute une série de recherches, en commençant par les bars de la ville qu'Éric Boulon a l'habitude de fréquenter. Ouais, elle est rentrée, puis elle nous dit, ben voilà, j'ai un problème. Est-ce que vous avez eu Éric, tout ça? Je crois que c'est le lendemain ou surlendemain qu'elle est venue. Elle dit, ben je le trouve plus, il est venu faire des courses, chercher de l'argent, et puis je ne l'ai pas retrouvé. 48 heures plus tard, le 17 janvier, Corinne Boutelot signale aux gendarmes la disparition d'Éric Boulon. Une enquête est ouverte. Des affichettes sont placardées dans les magasins et des avis de recherche publiés dans la presse régionale. En vain. Personne n'aura plus jamais de nouvelles du disparu. 22 mois plus tard, en novembre 2005, des restes humains non identifiables sont découverts dans un fossé au fond du jardin de la propriété du couple à la Sablière, à quelques kilomètres de Saint-Jean. Corinne Boutelot est mise en examen pour homicide volontaire et écrouée. La justice reproche à ma cliente d'avoir tué son mari et puis d'avoir fait disparaître le corps en l'incinérant dans le jardin, avec un tas de bûches et puis des palettes. C'est un crime, bien sûr, qui est punissable d'une peine de 30 années de réclusion criminelle. Le procès de Corinne Boutelot s'ouvre le 4 février 2008 devant la cour d'assises de la Charente, à Saintes. La justice a prévu d'y consacrer deux journées d'audience. 17 témoins ont été convoqués, ainsi que 8 experts. Tous les membres des familles sont présents, dont les 4 enfants du couple. Ils devront témoigner dans ce procès où leur mère est accusée d'avoir tué leur père. 3 d'entre eux se sont constitués partie civile. Ils seront représentés à l'audience par maître Dorothée Dietz. Océane, 13 ans et demi, est la plus jeune. Marie-Catherine est âgée de 19 ans. Wilfried est l'aîné. Il a 20 ans. Il n'est pas le fils biologique d'Éric Boulon qu'il a reconnu à sa naissance. Simon, enfin, a 17 ans. C'est lui qui a refusé de se porter partie civile contre sa mère. Le bâtonnier Robert Chalvet représente les autres membres de la famille Boulon, également partie civile. Les pièces à conviction étalées au regard des jurés sont plutôt insolites pour un procès criminel. Il y a là une vieille brouette métallique, un portefeuille et un mixeur de cuisine. L'huissier de la cour d'assises fait l'appel des témoins, cités soit par le parquet général, soit par la défense. Parmi eux est assis Bruno Boutelot, le frère de Corinne. Il a vécu 14 ans aux côtés de sa sœur et d'Éric Boulon. L'accusé est défendu par un avocat pénaliste, le bâtonnier Jean Moulineau. Corinne Boutelot avait 37 ans au moment de la disparition de son mari. Elle en a 41 aujourd'hui. Elle est détenue depuis 2 ans et 2 mois. Poursuivie pour homicide volontaire, elle encourt une peine de 30 années de réclusion criminelle. C'est tout simple. Donc il faut rester bien concentré, bien dedans. Ah, c'est ce que je fais, hein. Je suis au possible. C'est très bien, il ne faut pas changer les choses. Triste, abattu. Vous avez pris quelque chose ce matin? Non, rien. J'ai rien pris, je vais faire face à... Il faut faire face, il faut aller jusqu'au bout. Okay. D'accord. Il faut vraiment vous défendre. Là, j'ai fait le possible. Sans en faire trop, il faut rester naturel. Il ne faut pas en rajouter, surtout pas. Il faut
faut rester dans la vérité, dans le naturel. Le siège d'avocat général sera occupé par Joël Contu. Il est vice-procureur de la République du tribunal de Saintes. Monsieur l'avocat général, vous avez été informé que je vais citer 4 nouveaux témoins. Non, 3, mais j'en ai cité 4 aussi, normalement. La cour! Les débats seront dirigés par Nathalie Pignon, présidente de la cour d'assises de la Charente. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Cette première matinée d'audience sera consacrée aux circonstances de la disparition d'Éric Boulon. Corinne Boutelot vit avec son mari, ses enfants et son frère dans cette grande et vieille bâtisse au lieu-dit La Sablière, à la sortie de Saint-Jean. En janvier 2004, Éric Boulon a 43 ans. Il n'a guère le profil d'un disparu volontaire. Ni ses proches, ni ses voisins ne croient vraiment à cette thèse. J'ai pensé peut-être que on lui avait quand même fait la peau. Alors je me suis dit, ben voilà, on lui a réglé son compte, et puis il est à quelque part, mais où? Voilà, j'avais pensé ça. Parce que je voyais pas trop pourquoi il était parti, en fait. L'enquête des gendarmes ne permet de retrouver aucune trace d'Éric Boulon. La justice ouvre alors une information judiciaire. Un expert est désigné pour analyser le dossier médical d'Éric Boulon afin de déterminer la cause la plus probable de sa disparition. En étudiant tout ce dossier, il n'avait pas une personnalité à faire une fugue à partir de son milieu familial. Non, ça je l'ai écarté. J'avais écarté également la mort accidentelle. On retrouve toujours le corps, surtout dans nos régions, où il aurait pu aller se suicider dans un bois, quelque chose comme ça, mais au bout de tant d'années quand même, on aurait retrouvé, c'est quand même... Moi, j'en étais une disparition provoquée. D'autres éléments du dossier déconcertent les gendarmes. Le lendemain de la disparition, toujours au même distributeur automatique de billets, la carte d'Éric Boulon a été utilisée pour effectuer un retrait de 180 euros. Une semaine plus tard, le 23 janvier, c'est le portefeuille d'Éric Boulon qui réapparaît. Un passant le ramasse sur un trottoir de Rochefort et le dépose à la mairie de cette ville, située à une trentaine de kilomètres de Saint-Jean-d'Angély. Le même jour, les gendarmes perquisitionnent la propriété de La Sablière, ainsi que le jardin et les deux voitures du couple, sans rien y découvrir. Peu après, la rivière La Boutonne, qui coule derrière la maison, est fouillée sur 3 km. En vain, pas de corps, aucun indice. Les gendarmes sont pourtant persuadés qu'Éric Boulon n'a pas pu aller bien loin. Malgré ses 43 ans, il est en effet en très mauvaise santé. On le voyait de moins en moins parce qu'il était beaucoup couché. Il dormait toujours. Comme je vous ai dit, c'était une loque. Il marchait, il y a des moments qu'il marchait comme un petit pépé. Il fallait même l'aider à marcher avec des cannes. On voyait qu'il était vraiment mal. Il bavait, il tremblait, il mangeait plus tout seul à la fin. Voilà. Sachant qu'il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus rien faire, qu'elle l'emmène à Saint-Jean avec personne autour. On connaît Saint-Jean, hein, qu'il est disparu comme ça. Mais bon, elle avait dit ça, alors on n'a pas cherché plus loin. Le temps passe et l'enquête semble s'enliser. Malgré leurs efforts, les gendarmes ne retrouvent aucun témoin ayant vu Éric Boulon vivant après le 15 janvier. Corinne Boutelot, de son côté, mène ses propres recherches. Elle est venue dans l'après-midi me dire que Éric avait disparu, ce qui m'a étonnée, parce que j'ai dit, ça c'est bizarre, qu'il ait disparu. J'ai dit, comment déjà? J'ai dit, parce qu'il ne marchait pas beaucoup. Elle m'a dit, on a été chercher de l'argent à Saint-Jean, il a retiré de l'argent au distributeur, automatique, et moi j'ai été chercher du pain. Comme la boulangerie était fermée, quand je suis revenue sur mes pas, il était parti. Alors j'ai eu quand même un arrêt, je dis, punaise, mais il a fait vite.
dit sachant qu'il ne pouvait pas beaucoup marcher, il a fait vite. Oui, mais tu sais, il y a des moments, il savait bien jouer à comédie. C'est vrai qu'il y a des moments, il savait bien jouer à comédie, mais là, on voyait bien que c'était pas de la comédie quand même. Les gendarmes reprennent alors l'affaire au début, sur la place du marché. 30 mètres séparent le distributeur de billets de la boulangerie, qui ce 15 janvier était fermée. Si Corinne Boutelot dit vrai, Éric Boulon a donc disparu en moins d'une minute. Difficile à croire, surtout pour un homme très affaibli. Doutant de plus en plus de la véracité de son témoignage, les enquêteurs placent alors Corinne Boutelot sur écoute téléphonique. Le 26 octobre 2005, ils interceptent une conversation assez tendue entre Corinne et sa fille Marie-Catherine. Celle-ci menace sa mère, qui tente de l'en dissuader, d'aller raconter aux gendarmes ce qu'elle sait à propos du fameux portefeuille de son père retrouvé à Rochefort. Le 2 novembre suivant, les membres de la famille sont placés en garde à vue. Et ben c'est à cause de cette écoute téléphonique que les gendarmes m'ont dit « Voilà, on te met en garde à vue parce qu'on sait que tu sais un truc. » Je suis bon, d'accord. Au début, je disais « Non, je sais rien et tout, j'ai rien à dire. » Puis après, ils font « Tu sais, tu resteras en garde à vue jusqu'à ce que tu dises la vérité. » Marie-Catherine raconte alors où et comment elle a vu le portefeuille le lendemain de la disparition de son père. Le vendredi, quand je suis revenue de l'école et qu'elle m'avait annoncé la disparition de mon père, elle m'avait demandé d'aller chercher un papier dans la voiture. Et j'ai regardé partout. Puis au final, j'avais trouvé ce papier, mais j'avais vu le portefeuille, donc j'en ai pas fait de cas. Une semaine plus tard, quand elle apprend que le portefeuille a été retrouvé à Rochefort, Marie-Catherine comprend que sa mère lui cache la vérité sur la disparition de son père. Ben là, sur le coup, j'ai rien dit. Je me dis, ça se trouve, il est à Rochefort. Puis au fil des temps, je voyais ma mère qui partait de 9h du matin jusqu'à 14h de l'après-midi, ou voire plus tard, quoi. Et là, je lui dis, pour moi, elle l'avait caché, quoi. Elle le mettait soit dans un autre appartement, ou... Voilà. Placée par les gendarmes devant ses contradictions, Corinne Boutelot reconnaît d'abord avoir déposé le portefeuille à Rochefort. Puis elle concède s'être débarrassée du corps de son mari avant d'avouer l'avoir tué. Bien sûr, elle va résister, et à un moment, elle s'effondre en disant « De toute façon, c'est trop lourd pour moi. Cette affaire est trop lourde pour moi. Je voulais préserver mes enfants. Je veux pas qu'ils soient placés, mais j'en peux plus quand même. » Et elle va finir par lâcher le morceau, j'ai envie de dire. Oui, elle va lâcher le morceau aux gendarmes. Bon. Le récit de l'enquête a tenu les jurés en haleine. Ils sont troublés par cette femme d'apparence si banale, mais capable de garder sans frémir pendant près de 2 ans un aussi lourd secret. Ouais, ça j'imagine, mais il faut bien expliquer quoi. Ça s'est passé ce soir. Vous avez pété les points, quoi. Ah bah oui, c'est totalement. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment aussi, est-ce que vous n'avez pas eu un moment l'impression, moi j'ai ce sentiment, que finalement... Vous en êtes voulu un peu d'avoir laissé vos enfants là-dedans. 100%. 100%. Finalement, parce que vous auriez pu divorcer, vos enfants n'auraient pas connu ça. Quand on voit ça, c'est désolation. Quand je lui ai demandé le divorce, il m'a dit que je serais crevé avant d'avoir le divorce. Non, mais je sais bien, c'est mon dossier, ça. Tout à l'heure. À la reprise de l'audience, la cour va examiner le récit des aveux de l'accusé. Le 14 janvier au soir, Éric Boulon est allongé sur le canapé du salon, devant la télévision. Il réclame à manger des yaourts. Corinne Boutelot s'empare alors d'une cinquantaine de comprimés d'Equanil, un puissant tranquillisant prescrit à Éric Boulon, les broie dans un mixeur et les mélange à 3 yaourts. Elle fait ensuite ingurgiter le tout à son mari, à la petite cuillère, puisque celui-ci prétend ne plus pouvoir s'alimenter seul. Le lendemain matin, à 6h, Corinne trouve son mari mort, la télé encore allumée. Selon elle, il est froid, blanc et raide. Elle sort chercher une brouette et transporte le corps dans le lit conjugal. Puis elle réveille les enfants, les fait déjeuner et les emmène à l'école.
De retour à la sablière, elle transporte le corps au bout du jardin, le place sur un tas d'immondices, ajoute des vieux chiffons et des morceaux de bois et enflamme le tout. Le bûcher, qu'elle alimentera tout au long de la journée, se consumera jusqu'au soir, sous la fenêtre des voisins. Et tu te souviens pas une journée qu'on était tous les deux, qu'on se demandait... Il y a que ça, mais... Non, qu'une certitude, et puis on l'a... Enfin, je l'affirmerai, je l'ai jamais affirmé, je vais pas l'affirmer aujourd'hui. C'est juste le soir, là, c'est... mais vraiment une odeur. Oh, oui. Oh là là, moi, je me rappellerai toujours. On rigolait, mais on... après on a dit, ben on avait pas, on avait raison. Ben oui, on avait raison. Elle va brûler le corps, elle va le faire disparaître, mais elle va en fait monter un stratagème pour expliquer la disparition de son mari. À 10h du matin, ce même jour, Corinne Boutelot prend la route de Saint-Jean-d'Angély. Elle prélève 40 euros au distributeur de la place du marché, la somme exacte que Boulon avait l'habitude de retirer. Puis elle s'inquiète de son mari, au cabinet médical où il devait se rendre d'abord, puis dans les bars et chez des amis. Le soir, les enfants couchés et son frère Bruno retirés dans sa chambre, elle retourne au bûcher. Descendre, elle extrait un morceau de thorax d'une quinzaine de kilos qui n'a pas brûlé et le dissimule un peu à l'écart sous une plaque de tôle. Le lendemain matin, après avoir soigneusement ramassé les cendres et les avoir jetées au fossé au fond du jardin, elle emballe le morceau de thorax dans deux sacs poubelles et va le déposer dans un conteneur à ordures à l'entrée de Saint-Jean-d'Angély. Il fallait affronter ce moment difficile de l'audience. Hein. C'était le plus difficile à mon avis. C'est terrible. Même les morosés, c'est tout. C'est un peu mal à mes enfants et ça... Je sais bien, ouais, ça leur fait du mal, ça. Pas moi-même. Vous comprenez pas pourquoi? Non. Pourquoi cet acte-là? Pourquoi... Pourquoi l'avoir fait brûler plutôt que l'avoir enterré plutôt voilà, que... ouais. Je comprends pas moi-même. Constamment, j'y pense, ça, constamment. Sans pouvoir l'expliquer. Ça vous est venu comme ça? Comme ça. Comme si on mettait une lettre à la poste, comme si... J'ai fait du feu et... Ouais. Bon. On se voit tout à l'heure? Bah oui. C'était dur ce matin. On est bien entré dans le détail quand même. Hein. Ce qui m'a peut-être le plus choqué, c'est le manque d'émotion. On avait affaire à quelqu'un, elle m'a fait penser, sans rentrer dans l'intellectualisme, à l'étranger de Camus. Elle a dit les faits sans aucune émotion particulière, même dans le ton de sa voix. Et je ne suis pas convaincu qu'elle ait des remords pour les faits qu'elle a commis. C'était très très dur, je pense, pour les enfants d'entendre tout cela, et notamment aussi pour son fils Simon, qui jusqu'à présent ne voulait pas croire qu'elle avait fait ça. Donc pour eux, c'est très dur, parce qu'ils ont enfin entendu de la bouche de leur mère ce qu'elle a fait. Bien entendu, c'est normal, c'est leur mère. Ils ne voulaient pas le croire, ils se refusaient à le croire. Elle le tue, mais en plus, elle le brûle. Vous avez vu à l'évocation notamment de la façon dont elle a fait ça, mettre les restes des ossements dans des sacs poubelles. J'ai observé les enfants au moment où elle disait qu'il y avait un sac, où la présidente lui rappelait qu'il y avait un sac qui avait été percé par un os et qu'il a fallu mettre le tout dans un deuxième sac. J'ai regardé les enfants, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y en a un d'eux qui est sorti, Marie-Catherine, il me semble, parce que c'était trop dur d'entendre des choses pareilles. Donc je crois que la manière va rester à leur esprit. J'avais pitié d'elle, j'avais la haine envers elle. Pendant un temps, j'étais sortie, j'étais vraiment pas bien. Et je lui ai dit à mon avocat, j'ai eu de la chance, enfin, fallait que je sorte, autrement, ma mère, je lui sautais dessus. Hein. Enfin, ouais, je lui sautais dessus. Après le récit glaçant des faits, la cour d'assises va se pencher en cette fin de journée sur la personnalité d'Éric Boulon
et sur l'histoire du couple qu'il a formé 18 ans durant avec Corinne Boutolo. Plusieurs témoins vont défiler à la barre, dont Patricia Sonard, la meilleure amie de Corinne. L'enjeu, c'est de cerner au plus près le mobile du crime. En 1987, Corinne Boutolo a 20 ans. Elle vit avec sa mère à Villeneuve-les-Salines, près de La Rochelle, une vie modeste, dira-t-elle, avec des Noëls sans cadeaux. Elle est enceinte de Wilfried, dont le père biologique vient de l'abandonner. Elle rencontre Éric Boulon, qui s'engage à reconnaître l'enfant. Un an plus tard, le couple va s'installer à la maison de la Sablière, dont avec son frère Bruno, Corinne a hérité. C'est là qu'elle a passé son enfance, avant le divorce de ses parents, en 77. C'est là aussi que naîtront les trois enfants du couple. Ah ben, on l'a vu arriver, Éric Boulon. C'était une grande gueule, c'est lui qui avait tout, c'était le dominateur. Monsieur Boulon, lui, était quand même particulièrement grossier, vulgaire, et il avait toujours des paroles un peu déplacées. Et je le voyais très souvent alcoolisé. Voilà. C'est vrai qu'il avait, à ce moment-là, il buvait parce que ça se voyait. Il avait toujours son verre de vin pas très loin. Quand il faisait beau, quand on était dehors, quand on buvait le café dehors, c'est vrai qu'il était rendu souvent à la maison, allait servir un verre de vin avec la touque, parce que c'était carrément la touque de vin. Il était plus énervé quand il était plein, quoi. Mais c'est tout. Quand il avait pas bu, c'était un homme comme vous et moi. Mais le jour où il avait un peu d'alcool ou quelque chose qui l'avait piqué, comme on dit, une mouche qui l'avait piqué dans la tête, il était infernal. Infernal. Le 13 juillet 91, un peu après la naissance de Simon et 3 ans avant celle d'Océane, Corinne et Éric se marient. L'apéritif de mariage, alors ça c'était le 14 juillet au soir. Mais il était ivre de chez ivre. Hein. Ah ben, le lendemain matin, elle était à la... assise sur une chaise devant. Hein. Ça, c'est pas moi qui l'ai vu, c'est ma femme. Hein. Puis ça, c'est, de toute façon, c'est authentique. Hein. Comme je vous dis, la nuit de noces, peut-être ensemble, mais la deuxième, chacun de son côté. Et elle dehors. Ah ben, elle dehors, oui. Mais lui, la violence a continué, et puis sa femme en a subi les conséquences. Et ça, 48 heures après le mariage. Durant ces 18 années passées à la Sablière, Éric Boulon enchaîne sans grande conviction quelques petits boulots. Chauffeur routier, agent de propreté. Qu'il soit remercié ou qu'il se mette en arrêt maladie, ses emplois ne dureront jamais plus de quelques mois. Non, il disait qu'il ne voulait pas travailler et qu'il en avait marre. Non, il disait très clairement qu'il ne voulait pas travailler, ça c'est sûr. Il l'a toujours dit de toute façon. Ou alors quand il commence à travailler, il faisait tout pour plus... aller travailler. Il trouvait toujours une excuse. Ah, moi, je l'ai connu chômeur professionnel. Ah non, mais les mots, c'est les mots qui vrai. Tu rigoles, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est le chômeur professionnel. Oui, oui, il se disait, allez donc travailler. Moi, je suis bien, je suis au chômage. Il l'a dit plusieurs fois. Oui, allez travailler. Pourquoi aller travailler? Putain, moi, je suis là, je suis content que toi. Vous croyez que c'est quelqu'un de bien, ça? Non, pas pour moi. S'il ne travaille pas à l'extérieur, Éric Boulon n'entend pas non plus se tuer à la tâche à domicile. À Corinne et à ses filles, le ménage. Aux garçons, les travaux extérieurs. Parfois, il était au bout du jardin, les bras croisés comme je les ai là. Et puis, c'était les enfants. Et puis, Corinne qui travaillait dans le jardin, qui ramassait les légumes. Qui voilà. Ça, je l'ai vu, moi. Ils exécutaient tout ce que Éric disait, va donner à manger aux chiens, va faire le jardin, et les gamins exécutaient. Moi, je les ai vus faire le jardin en pleine chaleur, les gamins. Parce qu'autrement, il fallait travailler dehors, il fallait faire le jardin. C'était bizarre, bon, que toute ta jeunesse, t'a obéi, on était ses chiens pour lui et tout, et puis, fallait bosser, quoi.
Il était méchant parce qu'il nous insultait quand même. Il n'était pas... Enfin, sur moi et ma petite sœur, il n'était pas trop agressif. Enfin, il tapait surtout sur mes frères et sœurs. Enfin, sur mes frères. Bah, moi, bah, il me tapait, mais bon, c'est... soit je faisais des bêtises ou... normal. Le seul événement de la vie quotidienne qui semble ravir Éric Boulon, ce sont les vacances. Le couple quitte la Sablière au moins 2 fois par an, emmenant chaque enfant à tour de rôle. Là, Éric Boulon devient un autre homme. Quand il buvait pas, on rigolait. Oh, les vacances, c'était trop bien. Enfin, mon père était au bar, mais nous, on faisait ce qu'on voulait, quoi. On allait à la piscine. C'était vraiment bien. Lui, les vacances, c'était son moment où... de l'année, quoi. C'était son meilleur moment, les vacances, quoi. L'hiver comme l'été, c'était ses meilleurs moments. Je pensais qu'effectivement, il était assez violent avec les enfants. Bon, mes enfants, notamment Alexandre, l'avaient vu. Moi, directement, je ne l'avais jamais vu donner des coups de pied. C'était aussi violent verbalement, quand même. C'était surtout une fois quelque chose qui m'avait choqué. Je ne me rappelle plus trop le motif, mais on était au collège, dans la cour, et à 10h, tout d'un coup, il y a son père qui arrive. Donc, déjà, les barrières étaient fermées. Il est passé par-dessus et il a couru dans la cour après son fils. Et il l'a mis au sol, il l'a frappé très violemment. Et heureusement qu'il y avait un prof qui est arrivé, parce que sinon, je pense que ça aurait mal fini. C'était vraiment des coups violents. Les gamins avaient peur de lui, ça se voyait. Moi, j'ai vu les gamins raser les murs, hein, pour dire « papa n'ira rien », quoi. Vous avez le sentiment d'avoir passé une enfance dure ? Ouais. À l'audience, le médecin de famille évoque un climat de terreur familiale. Corinne en est la cible régulière. Notamment parce que son mari la soupçonne, non sans quelques raisons d'ailleurs, d'entretenir une liaison extra-conjugale. Ah, il était très jaloux. Oula. Très jaloux. Il le disait d'ailleurs. Déjà, il y a peut-être aussi peur que quelqu'un vienne voir Corinne, peut-être, parce qu'il a fait quand même monter un mur de 2 mètres de haut pour pas qu'on la voie, que le voisin la voie. Déjà, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, déjà, là. Quand mon père disait « ouais, tu sors pas », ma mère, elle avait pas intérêt à sortir, quoi. C'est comme pour se mettre en jupe, c'est... soit mon père lui fait « ouais, aujourd'hui, tu te mets en jupe », ou soit autrement... elle se mettait tout le temps en pantalon. Hein. C'est mon père qui décidait si elle se mettait en jupe aujourd'hui ou pas, quoi. Si chaque proche de la famille peut citer au moins un acte de violence commis envers Corinne Boutolo, aucun ne soutient que la brutalité du maître de maison était pour autant quotidienne. Enfin, je peux pas dire qu'il y a eu de la violence parce que j'ai jamais vu, mais j'ai déjà vu mon père insulter ma mère. Ça, j'ai déjà entendu. Même quand on était dans nos chambres, quand on les entendait s'engueuler et tout, enfin voilà. Ça se dégradait de plus en plus, quoi. Moi, une fois, je lui ai demandé ouvertement si son mari la battait. Elle m'avait répondu que non. Moi, je pense qu'elle n'avait pas osé. Qu'elle n'avait pas osé me le dire. Mais je ne l'ai jamais vu avec un œil au beurre noir. Je l'ai jamais vu avec des coups. Hein. Il se comportait en maître et seigneur. C'était un tyran qui imposait sa loi à la maison et à sa femme, à ses enfants. C'est comme ça qu'il est dépeint dans le dossier. Et c'est cette longue soumission de ma cliente à ses pressions psychologiques, à ce harcèlement moral, qui a fait qu'elle a commis ce geste, qui est un geste... pour moi, pour la défense, qui est un geste de résistance, qui est un geste de libération. C'est un geste de libération. Durant cette longue journée d'audience, Corinne Boutolo et ses enfants n'ont pas échangé un seul regard direct. Assis dans la salle, les enfants jettent parfois un regard à la dérobée sur leur mère, dans le box. L'accusé s'efforce de ne pas tourner les yeux dans leur direction, comme si elle craignait d'y lire un reproche insoutenable. Celui d'avoir tué un homme qui, malgré ses défauts, était leur père. Par moments, on a eu l'impression qu'on faisait plus le procès de la victime que le procès de l'accusé.
Aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'Éric Moulon. On l'a dépeint dans des termes dont mon travail va être de corriger certains points qui sont manifestement exagérés. Et quand vous voyez le frère Bruno, qui a quand même vécu 14 ans avec le couple, et qui, en 14 ans de temps, vous cite une seule et unique scène de violence à l'encontre de Wilfried, une seule et unique scène de violence à l'encontre de sa sœur Corinne, en 14 ans, si ça avait été un être violent, perpétuellement violent, tout au moins physiquement, il était peut-être verbalement, mais tout au moins physiquement, il y aurait sûrement eu plusieurs autres exemples. Alors que l'accusé est ramené par son escorte dans sa cellule, les jurés sont animés par deux sentiments contradictoires. La commisération envers une femme parfois battue, régulièrement humiliée, et l'horreur soulevée par les circonstances du crime et par la froideur clinique avec laquelle elles ont été racontées par l'accusé. Pour la cour d'assises, en cette fin de première journée, Corinne Boutolo reste une énigme. C'est le dernier jour d'audience. Ce soir, les jurés devront prononcer un verdict. Mais d'ici là, la cour d'assises devra répondre à une question essentielle. Pourquoi l'accusée est-elle passée à l'acte précisément ce 14 janvier 2004 ? Cet élément déclencheur, la cour et le jury vont le chercher dans l'examen des dernières semaines qui ont précédé le crime. Le témoignage de Bruno Boutolo, le frère de Corinne, sera décisif. C'est son seul salaire qui faisait vivre toute la famille. Je voyais bien, je dis c'est bizarre, je dis, j'en parlais avec mon mari, il n'y a pas beaucoup d'argent, ils arrivent quand même à se payer des vacances. Je dis c'est bizarre qu'il y ait, après par la suite, à force de parler un petit peu, il y a des mots qu'on lâchait. Bruno nous aide, Bruno donne de l'argent. Alors, mais j'ai compris qu'après que Bruno les aidait énormément. Je pense qu'il y avait les allocations et puis il y avait Bruno, le frère de Corinne Boulon, qui était là, donc qui amenait quand même un salaire. Donc ça permettait, avec les allocations, quand même son salaire ou ses indemnités de chômage, ou je ne sais pas trop comment il fonctionnait, mais bon, ça fonctionnait quand même. Puisqu'ils avaient aussi ordinateur, ils avaient... Même un jour, je me souviens, Alexandre m'a dit tu vois, ils ne travaillent pas beaucoup et pourtant, ils ont plein de choses aussi. Hein. Depuis de longues années, il remettait à sa sœur sa paye tous les mois, laquelle lui donnait de quoi faire le jeune homme pour ses cigarettes ou aller boire un coup avec les copains, ce qui était une source de revenus indéniable. Fin 2003, Bruno avertit sa sœur et son beau-frère, il va se marier et déménager. Pour Éric Boulon, c'est la ruine financière assurée. Ben, quand il a commencé à fréquenter Sandrine, il voulait faire sa vie, ce qui est normal. Il leur avait averti longtemps avant, oui. Comme quoi, qu'à partir du mois de février, il allait vivre avec Sandrine. Voilà. Et en fait, le frère va s'en aller, celui qui apporte l'argent à la maison va aussi s'en aller. On demande à ma cliente de vendre la maison parce qu'en fait, la maison lui appartient avec son frère. Et il y a tout ce contexte-là. À la fois, le frère s'en va, elle va se retrouver dans un face-à-face terrible avec son époux. Donc la contrainte, il n'y a plus de médiateur, il n'y a plus d'intermédiaire présent pour, etc. Donc elle va se retrouver seule avec ses enfants et son mari potentat tyrannique. On ne peut pas ne pas y voir une relation qui a peut-être décidé Madame Boutolo à passer à l'acte. Un deuxième événement, toujours fin 2003, intrigue la cour d'assises. C'est la soudaine déchéance physique d'Éric Boulon. À au moins trois reprises, en effet, entre les mois de novembre et de décembre, il est hospitalisé dans un état comateux. Les pathologies dont il souffre sont nombreuses. Cirrhose alcoolique, état dépressif, encéphalopathie. Mais à chaque fois, les médecins observent que le patient leur arrive en état de misère physiologique et ils notent toujours le même diagnostic, surdosage médicamenteux. Il y a eu surdosage médicamenteux, c'était au départ lorsque monsieur Boulon arrivait aux urgences. On constatait qu'il était dans un état
pseudo-comateux, qu'il avait des propos incohérents. Alors, on disait, est-ce l'alcool, est-ce les médicaments? Bon, parfois, il n'avait pas d'alcool dans le sang. Et là, on constatait qu'il avait des taux de benzodiazépine ou des taux de neuroleptiques en quantité importante dans le sang. Donc, est-ce que ces prises de médicaments sont volontaires? Est-ce que c'est un suicide à petit feu? Il en a marre de la vie et puis il prend des médicaments comme ça. Est-ce que c'est une prise accidentelle? Est-ce qu'il se trompe dans les médicaments? C'est un encéphalopathe. Est-ce qu'il se trompe? Ou, troisième solution, est-ce qu'on lui donne trop de médicaments pour le calmer, parce qu'il est violent? On avait remarqué avec mon père aussi un jour, il m'a fait regarder l'ordonnance. Et il devait prendre 2 équamines, ma mère lui en a donné 4 par repas. Donc, mon père avait. Mon père en prenant. Le savait, mais il a pas fait de cas, quoi. Moi, je reprochais, je lui disais à ma mère, je donne-lui pas tout ça, mais. Je lui fais des folles et tout. Hein. Et elle me fait, ouais, mais c'est pour être tranquille. À chaque fois, tous les témoins sont d'accord pour dire quand il partait à l'hôpital, il était dans un très mauvais état. Lorsqu'il revenait, il était bien. Et très rapidement, sa santé déclinait. On ne peut pas ne pas y voir des répétitions. Des répétitions à l'acte fatal qui est intervenu quelques semaines plus tard. Je pense qu'elle a dû essayer tout doucement quand même de l'empoisonner avant le mois de janvier 2004. Ces surdosages de médicaments auraient pu constituer des faits de préméditation et conduire la justice à poursuivre Corinne Boutolo pour assassinat. L'accusation n'a pas souhaité retenir ces faits, mais leur évocation à l'audience a ébranlé les jurés. Une nouvelle fois, le pragmatisme dont a semblé faire preuve l'accusé a du mal à coller avec son image de victime ayant agi sous une brutale impulsion. La cour d'assises va maintenant examiner, avec les experts, la personnalité de Corinne Boutolo et son mode de fonctionnement psychologique. L'enjeu est capital. Les experts doivent se prononcer sur le degré de responsabilité de l'accusé. Ce sera le tournant du procès. Madame Boutolo a très très peu de contact avec l'extérieur, très très peu de contact sur le plan social, sur le plan relationnel, sur le plan affectif, sur le plan professionnel, elle ne travaille pas. Donc tout cet enchaînement de choses contribue à créer une personnalité très très repliée sur elle-même. Elle ne m'a jamais rien dit, elle était très renfermée, Corinne. Elle y est toujours d'ailleurs très renfermée. C'est Corinne, on l'a vu naître ici. La maladie, elle est née à Saint-Jean. Ses parents habitaient la maison derrière. Elle a passé toute son enfance jusqu'à 10 ans ici. Une petite fille sans problème. Tout ça s'est dégradé, bon, c'est pareil, c'est quand le père s'est mis à boire. Le père de Corinne Boutolo était agriculteur. Ses excès alcooliques conduiront son épouse à quitter la Sablière pour Villeneuve-les-Salines et puis à divorcer en 77. Corinne avait alors 10 ans. Son père décédera à 43 ans en 1983. Le décès paternel qui est quelque chose de vraiment pivot, charnière au niveau de la construction de sa personnalité. Puisqu'à partir de ce moment-là, elle va décider que, au niveau des relations avec les hommes, ça va être quelque chose de complexe. Le fait que ce père lui manque et le fait que la mère ait abandonné ce père, il y a quelque chose qui va être, dans sa représentation à elle, ensuite de son histoire affective, ça va être quelque chose de très compliqué ensuite pour pouvoir vivre des relations affectives. Et on le verra par la suite, les relations affectives ont toujours été marquées de quelque chose de très compliqué, en fait. Après le père de Wilfried, Éric Boulon était le deuxième homme de la vie de Corinne Boutolo. Au début des années 90, il y en aura un troisième, un voisin, qu'Éric Boulon surprendra en train de sauter par la fenêtre de la cuisine. C'est avec cet homme que Corinne tentera, en vain, de renouer après le crime. Madame Boutolo, c'est ce que je disais dans mes conclusions, était une personne qui ne présentait pas de troubles
qu'on dirait psychiatrique, c'est-à-dire pas de dépression sévère, pas d'état délirant, pas d'état psychopathique. C'est une dame qui était certainement une personne plutôt soumise, qui dans la vie avait pris l'habitude de subir l'ascendant de son concubin ou de son mari, comme elle l'avait fait antérieurement dans la relation avec son père. Elle aurait pu vivre comme ça pendant des années. Elle aurait pu faire preuve d'abnégation, comme beaucoup de couples, vivre le mariage pour le meilleur et pour le pire, et donc surtout pour le pire. C'est pas ce qui va se décider au niveau de son vécu. Le premier signe de changement intervient un peu avant Noël 2003, 3 semaines avant le crime. Bravant les interdits de son mari et profitant de son état de faiblesse, Corinne Boutolo accepte de travailler chez un ostréiculteur. Pour elle, oui, je crois que c'est important parce qu'elle avait toujours eu le désir de travailler, déjà. C'était déjà une bosseuse d'avance. Et je crois que c'était un petit peu de liberté. Elle était même bien. D'ailleurs, elle blaguait. En travaillant, elle blaguait. L'humeur d'Éric Boulon, en revanche, s'assombrit. À la Sablière, les scènes se succèdent. Paroles blessantes, vaisselle cassée et coups de béquille. Quand elle s'occupait de lui, à la fin, de toute façon, il n'y avait plus d'amour, hein. On peut dire ce qu'il y est. On voyait qu'elle avait des gestes plus sévères. Brutal, un peu. Pas brutal, mais sec. Une fois, elle l'a assis un peu sévèrement. D'ailleurs, je l'ai regardé. Bon, j'ai regardé Eric, il me dit « Punaise, elle n'est pas fine, c'est ça ?» Je dis non, c'est vrai, je dis la Corinne, il a été un peu fort. Mais c'est tout, voilà, c'était pas... Vous voyez, c'était qu'elle avait un ras-le-bol, hein, de toute façon. Elle sentait que son mari déclinait, et elle s'est dit, mon gaillard, tu vas payer un jour, parce que ces gens-là, ils subissent, jusqu'à ce qu'il y ait pendant 20 ans, puis tout d'un coup, la 21e année, un événement banal arrive, et elle se rebiffe. Il y a une espèce de collision, de... au moment où elle s'aperçoit que son mari, M. Boulon, a 43 ans, il est alcoolique, et que son père est décédé à 43 ans, il était alcoolique. Et qu'à ce moment-là, il y a vraisemblablement inconsciemment, bien sûr, elle n'en a pas conscience, il y a inconsciemment quelque chose qui ne va plus. Il va falloir que ça change. Elle ne peut pas imaginer qu'elle va devoir vivre un petit peu comme ce que sa mère a vécu, dans une situation similaire. Donc il y a presque une solution économique pour elle, psychiquement économique, simpliste. Mais dans ses capacités cognitives, ça reste assez logique. Elle va se débarrasser de M. Boulon. Elle doit s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Dans notre culture judéo-chrétienne, le feu est purificateur. Et c'est à la fois un acte de vengeance, un acte qui purifie, c'est-à-dire celui qui est diabolique. C'est l'acte ultime de faire disparaître quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'en reste rien, aucune trace. Elle ne peut pas imaginer qu'elle pourrait mettre en œuvre une procédure de divorce. Elle pensait, si je le quitte, eh bien, il va me faire les pires misères, il va me rattraper, il va me tuer, il va me priver de mes enfants en me disant, tu seras une mauvaise mère, tu ne verras plus jamais tes enfants, etc. Donc, il ne peut pas y avoir de coexistence, sauf le maintien d'une relation de soumission à cet être qui l'a persécuté, et que pour s'en sortir, il faut que lui disparaisse. La première partie de l'audience est terminée. Tous les témoins et tous les experts ont été entendus. La parole est maintenant aux avocats et aux magistrats du parquet. Après, ça va être les plaidoiries de la partie civile, qui ne vont pas nous faire de cadeaux, j'ai l'impression. Après, il y a les réquisitions du parquet. Et puis après, c'est moi qui assure votre défense. Au nom de la famille Boulon, Maître Robert Chalvet qualifie de geste réfléchi et non pas spontané l'acte criminel reproché à l'accusé. La vie n'est pas aussi simple qu'elle veut venir faire. Alors, moi, il va tenir 18 mois. Voilà. Avec ce secret. Plus de 18 mois. Et tous les contournements de la vie. Oui.
Les pieds nus, elle était très bien. Très bien. Il a dit quelque chose qui est intéressant. Mais c'est quelqu'un qui sait transformer la vérité à son état. La parole est maintenant à Maître Dorothée Dietz pour les trois enfants qu'elle représente. Donc je vais d'abord commencer par parler de votre vie de famille avant la disparition de votre père. Hein. Parler un petit peu d'un père qui était, c'est vrai, autoritaire et sévère, et d'une mère qui était elle aussi laxiste. Alors après, je viendrai sur la vie de famille après les faits. Hein. C'est-à-dire qu'après la disparition, c'est là que je vais parler des mensonges envers vous. Mais du fait qu'elle pensait beaucoup à elle aussi, hein. Elle sortait, vous étiez livrés à vous-même. Et puis je veux quand même attirer son attention sur le fait que pour vous, je ne sais pas quoi. Ce qui me fait le plus mal, c'est de nous avoir menti pendant 2 ans. D'avoir fait croire des choses pour nous foutre la haine envers notre père. Et d'avoir tué mon père. Il y avait 2 sentiments. Il y avait le sentiment de la mère à son fils. Il y a eu le sentiment, après la haine que j'ai eue après. Quoi. Parce qu'elle aurait pas menti, je pense que j'aurais eu moins de haine. Parce que si le geste en lui-même, ça donne beaucoup de haine quand même. Voir que ta mère a pu faire ça. Bien entendu, je leur ai dit quelle peine elle encourait. Le maximum, c'est 30 années de réclusion criminelle. Ce n'est pas ce qu'ils veulent, mais ils veulent une juste condamnation. Et pour eux, eh bien, une sanction aux alentours de 20 années ne leur paraîtra pas démesurée. Au nom de la société, l'avocat général Joël Contu demande aux jurés de ne pas accorder d'indulgence à Corinne Boutolo, responsable d'une mort ignoble. Le magistrat requiert une peine de 20 années de réclusion criminelle. 20 ans, c'est des réquisitions pour un crime crapuleux. Là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On est dans une affaire de violence conjugale qui se termine par un acte de révolte, un acte de libération, un acte de résistance. Non, 20 ans, c'est vraiment excessif. Je suis resté vraiment confondu quand j'ai entendu les réquisitions du ministère public. C'est pas possible. Ce que j'ai demandé aux jurés, c'est que cette femme avait besoin d'exister. Cette femme qui était considérée chez elle comme un objet avait besoin d'exister. Et que il fallait qu'un jour prochain, elle puisse sortir de prison. En cette toute fin d'audience, Corinne Boutolo a enfin osé regarder ses enfants, comme pour leur demander pardon, comme pour s'excuser de sa présence dans un box de cour d'assises. Et à la fin, par contre, mon seul désir, c'est avant de repartir, essayer de leur faire un bisou à mes enfants. On va voir comment ça sera, on verra. Il va falloir, parce que je sais pas si je tiendrai le coup. Ça. Je vais voir ça. D'accord. Je passe vous voir tout à l'heure. D'accord. Bon appétit. Merci. Les 3 magistrats et les 9 jurés, 9 femmes et 3 hommes, se sont retirés dans la salle des délibérations. Il leur faut définir collectivement la peine à laquelle ils vont condamner Corinne Boutolo. Pour cela, il leur faut faire la part entre les humiliations et les violences subies par l'accusé et la cruauté du geste criminel commis avec une froideur glaciale. La cour. Le délibéré a duré 2 heures. L'audience reprend. À la question, l'accusée Corinne Boutolo est-elle coupable d'avoir à Ternant, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2004, donné volontairement la mort à Éric Boulon? La réponse est oui, à la majorité de 8 voix au moins. En conséquence de cette réponse, la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale,
condamne à la majorité absolue l'accusée Corinne Boutelot à la peine de 15 ans de réclusion criminelle. Vous disposez, Madame Boutelot, d'un délai de 10 jours pour faire appel de cette décision, passé lequel délai vous n'y seriez plus recevable. La cour d'assises de la Charente a condamné Corinne Boutelot à la peine de 15 années de réclusion criminelle. Ni l'accusé, ni le parquet général n'ont fait appel de la décision. Le verdict est définitif.